Je disais donc que j'ai bien connu le vieux Simon Lemani, qui fut mon directeur à Lubumbashi. Un monsieur dynamique, très ouvert, très entreprenant. Je garde en souvenir la façon dont il développait des légumes chez lui dans la parcelle au rond-point. Et la production de la volaille. J'aurais aimé aujourd'hui que je suis un de ses successeurs, imiter ses exemples, mais sans doute que c'était pour lui une certaine compétence particulière et surtout peut-être un talent. Je n'arrive toujours pas malheureusement à produire les mêmes légumes et les mêmes volailles. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, il ne nous reste plus que des souvenirs, donc des bons souvenirs. J'ai saisi l'occasion pour dire à madame, son épouse et les enfants, de tenir bon courage. Vous avez certainement un héritage génétique que vous pouvez développer pour faire plus que ce qu'il a pu faire sur cette terre. Faire que son âme repose en paix.